Le système de la requête du ministère public consisterait à eh bien, confier le monopole des poursuites au parquet en ce qui concerne donc des poursuites visant des arbitres pendant le déroulement de l'arbitrage. Il s'agit d'éviter que des parties puissent essayer de bloquer l'arbitrage, de nuire à son bon fonctionnement en déposant plainte, en poursuivant des arbitres pendant le cadre d'un arbitrage. Donc c'est la raison pour laquelle la commission donc, du Club des juristes propose ce mécanisme de requête du ministère public, c'est-à-dire que la partie qui désirerait faire poursuivre un arbitre dénoncerait ces faits au ministère public qui seul pourrait, pendant le déroulement de l'arbitrage, déclencher des poursuites. À l'issue de l'arbitrage, cette partie recouvrait l'ensemble de ses droits et pourrait tout à fait poursuivre elle-même directement l'arbitre en cause, soit par une citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile.